cette école est un lieu de vie. Et donc, on doit pouvoir y trouver sa place, quel que soit le niveau d'ancienneté qu'on y a et de là où on en est avec la vie, en fait. J'avais envie d'y être, j'avais envie d'être là avec les chevaux, j'avais envie de... Voilà, j'avais vraiment envie de cette aventure. Quand j'étais petite, je voulais être une star à cheval. Donc j'ai tout fait pour réaliser ce rêve. Tous les matins, j'arrivais, je regardais autour de moi, je disais « Waouh, la chance que j'ai d'être ici, c'est magnifique ce lieu !» On a inventé quelque chose qui n'existait pas. Comme dit Bartha, c'est une forme de laboratoire, c'est vrai, dans la mesure où on crée quelque chose d'unique. D'unique au monde. Et les chevaux, ils nous apprennent des tas de choses, quoi. Ils nous apprennent même à vivre avec d'autres êtres humains. Une école qui n'a pas de cursus, pas de diplôme de formation, pas d'âge pour entrer, où les élèves sont payés, ça n'a pas de nom. Animal merveilleux, le cheval mérite de celui qui le monte la compréhension de son caractère et de ses possibilités. L'équitation est une école d'abnégation et d'humilité. Sa pratique, si elle est bien menée, rend l'humain meilleur.